Bonsoir tout le monde. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis super heureuse de vous retrouver ici en Facebook Live. Dites-moi bonjour si vous regardez en live. Dites-moi bonjour si vous regardez le replay. Ça me fera plaisir. Dites-moi comment ça a été après le live qu'on a fait sur la fatigue. Est-ce que ça a bougé quelque chose? Est-ce que vous avez pu pratiquer cet outil? Et est-ce que vous avez perçu une différence? Ça m'intéresse de savoir vos retours. En tout cas, j'ai énormément de gratitude pour vous. Je voulais commencer avec ça. J'ai tellement de gratitude pour vous d'être là chaque jour, pour vos messages, pour vos partages, pour tout ça. C'est vraiment un superbe cadeau. Donc, merci pour ça. Je suis vraiment honorée que vous preniez un moment de votre journée pour être un moment avec moi. C'est vraiment, vraiment très, très, très joyeux pour moi de vous retrouver tous les jours. Aujourd'hui, ça a été une journée magique. Magique, magique, magique. La magie à l'état pur. J'avais un rendez-vous avec Julie, son nom de famille, je vais vous le dire tout de suite, avec Julie Corbeil, pour parler d'une aventure qu'elle a commencée il y a quelque temps, qui est de regrouper plein de personnes qui pratiquent les outils d'accès pour écrire des textes sur des outils, sur comment on utilise les outils dans notre vie, et regrouper plusieurs personnes, plusieurs histoires, plusieurs témoignages, et vendre ça sous forme de livre. Donc elle a déjà fait un premier, et il va y en avoir plein d'autres qui vont sortir. C'est 2$, je crois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je peux vous donner le lien, je peux lui demander le lien et vous les donner. Et donc elle m'avait proposé de se rencontrer pour discuter de ça, donc de participer à l'écriture de ce livre. Et la vérité, c'est que c'était pas très confortable. Il y avait un truc, vous voyez, quand elle m'a proposé, c'était pas le truc qui m'a fait pétiller. C'était un peu oui. Et je suis très fière de moi parce que à une époque, j'aurais pu croire que c'était non, c'est lourd, je vais pas le faire. Et soit j'aurais pas répondu, soit j'aurais mis du temps à répondre, soit j'aurais dit non, désolé, ça m'intéresse pas, ou j'ai pas le temps, ou j'aurais trouvé un truc. Là, j'ai vu tout de suite, non, c'est pas un non. C'est juste inconfortable. Et je sais que quand c'est inconfortable, c'est qu'il y a quelque chose pour moi. Et que c'est là où j'ai vraiment envie d'aller. Donc j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et waouh. Une rencontre incroyable. C'est une magnifique personne. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est magnifique. Et ça a ouvert à beaucoup plus. Coucou Isabelle! Ça a ouvert à beaucoup plus que juste ce livre-là. On a commencé à discuter. Je lui ai parlé d'un livre que j'ai écrit pour les enfants. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai écrit et que je l'avais mis en stand-by pour X et Y raisons. Et quand je lui en ai parlé, c'était tout de suite « Mais tu sais que j'accompagne les personnes à éditer leurs livres ?» Ah bon? Et il y a plein de choses qui sont ouvertes, et donc voilà, je vais éditer mon premier livre pour enfants très très prochainement. Donc il est en cours de finalisation, de traduction en anglais, de faire les dessins pour le livre et tout ça, les illustrations pour le livre, et tellement excitant, ça fait 4 ans qu'il attend ce livre.
Mais c'était pas le moment, c'était pas le moment. Et du coup, il y avait plusieurs choses que je voulais aborder avec vous par rapport à ça, plusieurs outils qui me contribuent beaucoup dans ma vie et dans mon business. Il y a vraiment déjà cette notion de inconfort. Salut! Si vous connaissez les outils d'access, vous savez qu'on dit quand c'est léger pour moi, c'est que c'est vrai pour moi. Quand c'est lourd pour moi, c'est que c'est faux pour moi. Sauf que des fois, la vie, c'est pas gris ou blanc, c'est pas noir ou blanc, pardon. Des fois, c'est plus subtil que ça. Donc moi, je rajoute une troisième question. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Ou est-ce que c'est inconfortable? Combien de fois on a l'impression que c'est lourd et en fait, c'est simplement de l'inconfort parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de choisir, que c'est plus grand ou que c'est plus... Et du coup, c'est inconfortable. C'est pas lourd, c'est inconfortable. Et la nuance est vraiment, vraiment importante et elle peut contribuer énormément pour nous. Parce que là, typiquement, si j'avais dit non pour ça, ça aurait été vraiment dommage. Il y aurait une autre possibilité, je le sais, parce que je l'avais demandé. Et c'était vraiment ce que j'avais demandé et je l'avais redemandé il y a à peine quelques jours. Il y a à peine quelques jours, je suis retombée sur la publication que j'avais postée il y a 4 ans pour dire que j'espérais que l'année suivante, j'aurais mon livre à célébrer. Et j'étais là, oh, ça fait déjà 4 ou 5 ans. Oh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit fait cette année et que ce soit fait le plus rapidement possible et que ce livre y sorte parce que je l'adore. Et quelques jours après... Tout ça se présente. J'en parlais à une amie aujourd'hui qui me dit « Waouh, ça match tellement en plus avec l'énergie de Queen of Manifestation » qui est le programme que j'offre en ce moment. Et c'est vraiment ça, c'est de la manifestation à l'état pur. C'est de la magie à l'état pur. Et en fait, ma vie, elle est remplie de ça et j'ai énormément, énormément de gratitude pour ça. Donc voilà, j'avais envie de célébrer avec vous et de vous donner cet outil. Donc, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est inconfortable? Premier outil. C'était quoi le deuxième que je voulais vous dire? Donc déjà ça, c'est sûr, c'est super important de vraiment faire la nuance entre les trois. Souvent, quand c'est inconfortable, c'est juste qu'on a un point de vue à faire sauter et ensuite, boum, c'est la magie qui opère, vraiment. C'est lourd ou est-ce que c'est inconfortable? Je voulais parler d'un autre outil. Je me suis perdue. Je suis un peu fatiguée. Pas fatiguée, je suis très relaxée. J'ai vraiment lâché des tonnes de trucs là et ça a ouvert tellement d'espace. J'ai plein de choses qui ont relâché dans mon univers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et déjà ça, juste regardez déjà combien de fois est-ce que vous n'êtes pas allé vers quelque chose parce que vous aviez l'impression que c'était lourd et combien de fois en fait c'était juste de l'inconfort. Et si vous aviez plus de clarté sur léger, lourd, inconfortable, qu'est-ce que vous pourriez choisir que vous n'avez pas osé choisir jusqu'à aujourd'hui? Donc il y a ça, et puis aussi je célèbre parce qu'on a eu le premier Zoom avec mon groupe de ce mois-ci. Stop à l'abus de moi-même. On a passé une soirée incroyable. Incroyable. C'était magnifique. Il y a une énergie tellement, 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 tellement belle. Et je suis sortie de ces deux rencontres. Donc ça s'est enchaîné pour moi. J'ai d'abord eu cette rencontre avec Julie et ensuite cette rencontre avec la première rencontre avec le groupe. Et il y a déjà une telle harmonie dans le groupe, c'est déjà tellement beau, j'étais là waouh, waouh, ce mois il va être incroyable. On a déjà libéré tellement de choses, il y a déjà eu tellement de prises de conscience. Et c'était que la soirée d'introduction, donc je me réjouis de la suite. Si vous avez encore envie de nous rejoindre, c'est toujours possible, il y a les enregistrements qui seront disponibles pendant un mois à la fin du programme. Et c'est très 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 beau, il y a beaucoup de douceur et beaucoup de joie dans ce groupe malgré la thématique. Et au contraire peut-être même parce que c'est cette thématique-là et que c'est un tel cadeau d'aller au-delà
de tout ce qu'on met en place pour s'abuser soi-même. Et c'était tellement beau pour moi que les deux se passent juste l'un après l'autre, parce que je me suis rendu compte que du coup je me suis abusée moi avec l'écriture de ce livre, avec la publication de ce livre, parce que j'attendais quelqu'un d'autre pour finaliser ce livre, alors que je sais depuis 4 ans que ça va pas se faire avec cette personne, que ça ira pas au bout avec cette personne. Mais je me suis restée dans ces illusions-là en attendant que peut-être éventuellement il y a quelque chose qui bouge. Et je me suis abusée moi-même parce que j'avais envie de le sortir. Il était prêt à sortir déjà il y a 4 ans. Et c'est super ok. Et c'est super ok. Et juste, ça me donne deux fois plus d'occasion de célébrer aujourd'hui, de célébrer, d'avoir eu ces deux choses l'une après l'autre. C'était un beau cadeau pour moi. Donc voilà, et j'avais un autre outil, mais je sais plus ce que c'était. Ça m'est sorti de la tête, ça me reviendra peut-être plus tard, je vous mettrai un petit commentaire ou un petit message. En tout cas, voilà, gratitude à tous, vraiment. Et merci d'être dans mon monde, merci d'être là, merci d'être les merveilleuses personnes que vous êtes. Vous êtes incroyable, vous êtes précieux, vous êtes fabuleux et j'ai énormément de gratitude pour vous. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain pour une autre vidéo.